Hey, salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, c'est-à-dire ceux qui ont activé les notifications. Eh bien, vous me le dites en commentaire et je sélectionnerai un gagnant pour passer dans la prochaine vidéo comme Justin. C'est vraiment simple et c'est super sympa. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que la légende dit que si tu likes cette vidéo dans les 3 secondes, tu auras énormément de chance demain. Alors à toi de voir. Comme je vous l'ai dit, les énigmes sont assez difficiles, c'est pourquoi je vous demande de ne pas tricher et de mettre votre réponse à l'énigme dans les commentaires avant que je vous donne la solution en vidéo. Numéro 5. Quand mes deux parties s'assemblent, je sépare. Qui suis-je? Allez, comme d'habitude, je vous laisse 10 secondes. Réponse, eh bien une paire de ciseaux, tout simplement. Parce qu'en fait, quand les ciseaux bien se rapprochent, enfin les deux lames se rapprochent, ça sépare, ça coupe, tout simplement, c'était tout bête. Numéro 4. Valentin avait appris que sa femme l'avait trompé et attendit devant la maison de son amant qu'il sorte. Il sortit après 2 heures d'attente. Et Valentin s'écria alors, « Ah, bravo, il ne s'est même pas lavé les dents !» Eh bien, moi je vous demande tout simplement, comment le sait-il? Réponse, eh bien en fait, il avait empoisonné son dentifrice. Du coup, bah, s'il s'était lavé les dents, il serait mort. Et vu que là, il sort de sa maison, eh bien, il ne s'est pas lavé les dents puisqu'il est vivant. Voilà, c'était tout bête. Numéro 3. Beaucoup m'ont demandé de mettre une énigme vraiment impossible à résoudre. Genre, vraiment, personne ne trouve la réponse. Eh bien, je pense avoir trouvé l'énigme qui vous fera tous flancher, échouer. Allez, trouvez-moi la suite de 2, 6, 42, 1806. Là, n'hésitez pas à mettre en pause, prenez une feuille, faites des calculs. Et vraiment, celui qui trouve la bonne réponse, c'est vraiment, mais vraiment un bon, un génie. Réponse, alors, on va se poser et écoutez bien. En fait, la réponse, c'est 3 263 442. Et là, celui qui a trouvé la bonne réponse, tu me le dis direct en commentaire et je te réponds. Vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Parce que, en fait, il fallait faire 1 fois 1. Donc, 1 plus 1, 2. Après, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. 6 fois 6 plus 6, donc 42. Et en fait, à chaque fois, eh bien, c'était sous cette forme. 42 fois 42 plus 42, 1806. À chaque fois, en fait, on reprend eh bien, 3 fois les mêmes nombres. On multiplie donc le nombre par lui-même. Et puis, on additionne bah, le nombre au résultat obtenu par la multiplication. Et donc, du coup, eh bien, fallait faire 1806 multiplié par 1806 plus 1806 qui donnait donc 3 263 442. Voilà. C'était compliqué, on est d'accord. Allez, numéro 2, un peu plus simple. Un homme conduit un bus rempli de passagers. Arrivé sur un pont à sens unique, il aperçoit sa mère dans le rétroviseur. Et il est trop tard pour freiner. Et là, c'est un choix vraiment difficile à faire. Doit-il renverser sa mère ou passer par-dessus le pont et ainsi sacrifier tous ses passagers? Réponse, eh bien, en fait, c'était vraiment très très bête. Il peut continuer sa route, puisque sa mère est derrière le bus. On vous dit qu'il aperçoit sa mère dans le rétroviseur. Donc, elle n'est pas devant lui. Donc, il n'a pas à l'éviter ou à sauter par-dessus le pont avec le bus et tous ses passagers. Donc, il n'y a personne qui meurt. Tout le monde est sain et sauf. Et sa mère, elle est derrière. Elle marche tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et enfin, numéro 1. Allez, je vous ai encore donné un petit rébus, parce que la dernière fois, vous aviez été nombreux à me dire que bah, vous appréciez ce genre d'énigme visuel. Donc, en voici un nouveau. Observez bien, je vous donne pas de détails, parce que ça serait vous donner des éléments de réponse, comme d'habitude.
Et juste, c'est une expression à trouver. Voilà, là, je vous ai quand même bien aidé. Réponse, eh bien en fait, si vous avez bien observé eh bien cette image, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de peur et peu de fois écrit le mot mal. Donc, en fait, l'expression à trouver, c'était plus de peur que de mal, tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et nous on se retrouve mercredi prochain à 16h30. Et oui, on va essayer de se fixer cet horaire-là chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir juste, n'hésite pas à bombarder la barre des likes, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Allez, ciao, ciao!